Le CIMA Technopole, initialement porté par le consortium Agro-PME, GDT, Cofides Nord-Sud et le CIAD, est un dispositif d'insertion professionnelle des jeunes dans les métiers innovants de l'économie verte. Implanté dans le bassin agricole du Mungo, il est constitué à ce jour d'un réseau de 10 centres de formation, d'incubateurs et d'entreprises. 5 chaînes de valeur sont ciblées, le palmier à huile, le poivre, le cacao, l'horticulture et l'élevage à cycle court. Entre 2020 et 2023, dans le cadre du programme Archipelago de l'Union européenne, le CIMA Technopole a accompagné plus de 400 jeunes en synergie avec plus de 100 acteurs de l'écosystème. Notre offre de formation professionnelle et entrepreneuriale repose sur 4 principaux parcours en alternance entre centres de formation et entreprises. MyJob, pour l'insertion des jeunes par l'emploi salarié, le parcours compte plus de 10 spécialités, métiers de techniciens et commerciaux. Smarta, pour l'amorçage de start-up portées par les jeunes. Conseiller mentor agribusiness, pour la formation au métier de conseiller d'entreprise. MyBusiness, pour l'accélération des MPME et la création d'opportunités d'insertion pour les jeunes. Je rappelle très bien les échanges qu'on a eus avec les représentantes des différentes filières qui cherchaient un dialogue pour décider ensemble les nouveaux profils pour la formation. Et aussi les discussions avec les mutuelles pour donner des opportunités pour avoir un petit financement pour commencer une activité. Je tiens à féliciter les organisateurs, les partenaires d'implémentation et tous les jeunes. L'insertion socio-professionnelle et socio-économique des jeunes reste encore un véritable défi dans notre pays en général et dans notre localité en particulier. Un tel défi ne saurait être relevé sans la participation active de toutes les forces vives. À cet effet, toute initiative dans le sens de faciliter l'insertion des jeunes est la bienvenue. C'est ainsi que la mise en place du dispositif de formation insertion qu'est le CIMA Technopole est homologué par le gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. De 2020 à 2023, le CIMA Technopole a formé plus de 400 jeunes, dont 36% de femmes et 10% de déplacés internes et migrants de retour. Plus de 300 jeunes ont validé la formation d'une durée moyenne de 5 mois, soit un taux de 75%. En mars 2023, plus de 75% des jeunes interrogés se déclarent employés, dont environ 2/5 en tant que salariés et 3/5 à leur compte. 60 d'entre eux ont été incubés pendant plus de 9 mois dans l'amorçage de leur start-up. 24 ont reçu une dotation d'amorçage d'un montant de 100 000 francs CFA. Les 6 centres de formation professionnelle membres du réseau CIMA Technopole ont été renforcés pour délivrer jusqu'à 5 nouveaux services, la formation duale, le guichet orientation, la formation à distance, le coworking et la dotation d'amorçage. Notre stratégie d'insertion repose sur un réseau d'acteurs publics et privés, de l'écosystème d'appui aux entreprises et sur les relations de confiance établies avec les agro-industries, MPME et coopératives à haut potentiel de croissance et d'emploi des chaînes de valeurs agricoles porteuses. Notre prochain challenge est de consolider le programme de CIMA Technopole, d'assurer la résilience et sa durabilité. À cet effet, nous avons entrepris d'ériger le CIMA Technopole d'ici l'année prochaine en une véritable académie de référence dans le bassin agricole du Mungo, intégrant plusieurs fonctionnalités pour l'insertion des jeunes. Notre vision est une vision à long terme. Nous avons inséré dans ce programme-là aussi une option financière. Bien évidemment, comme l'a rappelé le directeur, malheureusement cette option n'a pas encore été totalement à la hauteur de nos attentes, mais nous y travaillons pour arriver à aider ces jeunes qui ont été accompagnés dans le secteur de l'entrepreneuriat de pouvoir avoir
je vais dire, notre financement pour l'amorçage de leur projet. En synthèse, le programme Archipelago a permis d'implanter le CIMA Technopole dans le bassin du Mongo et réussi le défi de l'insertion des jeunes dans les métiers innovants de l'agribusiness et de l'économie verte. On a rencontré CIMA qui nous a fait part de quelques de ses programmes. Grâce à cette chose qu'aujourd'hui on a une vitrine, on a une visibilité, ce qui est pour nous une belle, une chance. Et on souhaiterait que beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes entrepreneurs, puissent avoir cette opportunité-là. Je suis très ravie de pouvoir partager mon expérience parce que le CIMA Technopole m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que je ne savais pas auparavant. Maintenant, je suis technicienne agroécologique. Ça veut dire que je fais des engrais bio, je sais faire la texture du sol et à part cela aussi, je peux valoriser les déchets plastiques pour en faire aussi des pavés. Entre 2022 et 2025, dans le cadre du programme JOY, porté par le consortium Agro-PME Procassure et financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, le CIMA Technopole ambitionne de former et d'insérer plus de 1200 jeunes et d'accompagner 150 MPME. JOY vise l'élargissement de la zone d'intervention à la région du littoral et du centre. Également, le renforcement de l'ancrage du dispositif dans l'écosystème des affaires pour offrir plus d'opportunités pour les jeunes. Les prochains défis que le CIMA Technopole ambitionne de relever sont réussir l'amorçage des start-up portées par les jeunes dans l'économie verte et circulaire avec un taux d'activité à 3 ans de 75%. Financer les chaînes de valeur de l'agribusiness, notamment les jeunes agripreneurs porteurs d'innovation. Activer l'écosystème pour l'insertion des jeunes et l'émergence d'une économie verte. Assurer la durabilité du dispositif et son ancrage institutionnel. Renforcer les plateaux techniques et infrastructures.